On se retrouve sur Spintir, qui est un jeu que limite j'admire mais pas trop non plus. Parce que il est super bien développé. Donc voilà, là j'ai voulu faire cette vidéo parce que comment dire, en gros le camion que vous voyez à côté qui est s'est renversé et je n'ai pas envie de continuer avec le camion en question, donc je vais transvaser les bois qui sont tombés dans mon camion. Donc voilà, j'avais envie de vous montrer comment faire pour transvaser du bois. Enfin, c'est la première fois que je fais ça, mais on va essayer de lever un peu. Hein. Des touches qui sont pas encore très bien ancrées, on va dire. Faire apparaître les points et là ils sont tous verts alors que ce qui est par terre est encore rouge, mais bon je vais quand même devenir vert assez vite. Donc voilà, hop, allez. Donc là, je mets la caméra pour qu'elle soit bien. Hop. Il faut éviter de bouger les autres pour qu'ils deviennent rouges. Parce que des fois, il y a des petits bugs, on va dire, sur là, on va. Par contre, je ne sais pas.
Donc là, on va aller chercher fermer la pince. Fermer la pince, j'ai dit. Ah, merde, je sais pas. Les deux pieds parce qu'ils ne servent à rien. Hop, et parce qu'ils vont me gêner. Hop, et donc je sais plus. Ah si, oui, j'ai joué avec le volant pour l'épisode de présentation de ce jeu. Et là, je joue avec. Avec un volant, non pas avec un volant, mais avec une manette Xbox 360. Donc le truc c'est que c'est un peu minutieux. Par contre, parfois, le bois peut glisser un petit peu, mais bon. On fait avec. Donc voilà. Hop. Allez, non, on ne tombe pas de toutes les pièces. Et... rouge, c'est pas bon. Excusez-moi si je parle pas trop parce que là c'est vrai que c'est assez. Chaud à faire en gros parce que
temps, hop, on va aller prendre les deux bûches. Avant que ça nous fasse une bûche. Donc je connais pas trop de blagues à la con. Ah non, on tombe pas. Donc voilà, on va voir s'il y a du changement. Pas. Non, pas du changement. Merde. Ça passera. Donc voilà, hop, on va un petit peu. Et là, on ramène le poteau. Non ! Donc voilà, et après, on laisse tomber le bois. Ah, shit ! Faut que je fasse les deux autres maintenant. Bon, ce jeu, franchement, il arrive encore à me surprendre. Je le trouve pas plus dur que ça, mais comment dire, c'est vrai que je l'ai pas essayé en mode simulation, hein, parce qu'il y a deux modes dessus, un mode classique et un mode simulation. Et je n'ai pas du tout essayé en de mode simulation. Mais c'est que j'ai pas envie en fait de l'essayer ce mode simulation. Bon voilà, on en a un qui est pas bon et. Ouais. Enfin, bref, faut que je roule la pince. J'espère, je vais peut-être arriver à finir initial. Ah, et il me dit que. Ah non ! Ah ! Il me dit que c'est pas possible parce que il y a un bout qui est pas à sa place. Et ça me fait chier.
pas le temps qu'elle va tuer cette vidéo. Merde, mais qu'est-ce que tu fais? Je contrôle pas bien encore la grue, la contrôle pas mal, mais... On est prêt à repartir, sauf que cette fois-ci j'ai changé le camion et voilà, en gros j'ai changé le camion. Et donc là nous sommes sur la map traverser la rivière qui est juste après la map plaine, je crois, si je ne me trompe pas. Donc voilà, je sais pas, j'ai pas bien regardé s'il y avait des trucs dans ce genre là, mais bon, ce jeu est tel que même si c'est pas vraiment le style de la personne qui joue, ah putain c'est un lag à mort, et ben on peut quand même arriver à faire quelque chose avec. Même quelque chose de plutôt bien. Comme on voit par exemple, si je me renverse, je suis pas obligé. Putain! Ça lag à mort. Je suis pas obligé d'aller rechercher du bois et après avoir été recherché du bois, d'être obligé d'utiliser d'aller chercher du bois et d'aller le relivrer. Voilà, ça c'est quelque chose qui est plutôt bien dans le jeu. Par contre, c'est vrai qu'il y a un truc qui est pas... C'est tunnel, voilà, c'est... Que... pour mettre, en gros... des rondins moyens... Non, pour mettre la grotte, on est obligé de mettre des rondins moyens. En gros, on ne peut pas utiliser ni gros rondins, ni petits rondins. On est obligé de mettre des rondins moyens pour avoir la grue. Parce que pour les grands rondins, il faut avoir le support à bois. Et pour les petits, il faut la support à bois avec la remorque longue, long rondin. Et pour les petits, il faut juste la benne pour les petits rondins. Donc voilà. Après, franchement, ce jeu, graphiquement, il est bien sur tous les sujets. Bon, seulement que là, il bug, je sais même pas pourquoi. Donc voilà, sinon ce jeu est vraiment super. C'est vrai qu'il lag beaucoup là, c'est peut-être parce que je capture, mais bon, on verra bien comment ça se fait pas plier. Donc voilà. Ce jeu... Là, est-ce que ce map est bien, franchement. Là, j'ai fait toutes les maps, il me reste bien. Il faut que je finisse celle-là. Et je vais la finir avec vous. Je pense, hein, on verra bien. Mais, donc voilà, je vais la finir avec vous. Et puis, oh putain, non. La finir avec vous. Et en plus, voilà, déjà je voulais faire un live sur ce jeu là. Si vous me suivez, vous êtes peut-être venu voir,
voulu faire un live, sauf que j'ai une connexion telle que j'ai pas pu la faire, parce que voilà, j'ai une connexion très haute. Pourtant j'avais essayé juste avant de faire un peu avant, j'avais essayé de faire des tests de live, hein, ça avait fonctionné. Mais là il n'a pas voulu fonctionner. Voilà. Et je sais pas, le jeu réagissait plutôt bien en fait, même mieux que là, à faire du live avec. Il ramait pas trop quoi, il était bien comme il faut. Alors que là, il est en train de ramer tout ce qu'il sait. Et... voilà. Bah tout à l'heure quand on était je sais même plus où c'est. Donc voilà, l'objectif il est là. J'espère pouvoir faire un truc assez court pour vous comme pour moi. Et après, voilà. Donc on verra bien comment ça se termine. Au pire, tout ce qu'il y aura dans la vidéo, là, je ferai en accéléré. Comme ça au moins, ça ne fera pas une vidéo trop longue. Et comme ça, ce sera un truc, on va dire, regardable. Même s'il n'y a pas... D'ailleurs, il faudrait que je remette un peu comme ça. Voilà, moi je préfère comme ça. C'est vrai que ce qui manque à ça, c'est une vue intérieure. C'est un truc qui manque. C'est vraiment le truc qui manque à ce jeu. C'est la vue intérieure avec les rétros et tout le bazar. Donc voilà, mais à part ça, ce jeu il est excellent. C'est vraiment... déjà, je sais même pas s'il y a d'autres jeux comme celui-là, mais celui-là, voilà. Et dans les prochaines semaines, je pense, vous aurez aussi d'autres trucs. Il y a d'autres jeux en vidéo test. Il y aura peut-être Burnout Paradise. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir un peu, je sais pas. Non, pas d'avoir Oh thanks, merde. Non, pas ça parce que c'est un peu lourd, on va dire. C'est un truc assez connu. Nous entendons la pub à la télé, on fait machin partout là. Non, c'est trop quoi, on va dire. Qu'est-ce qu'il peut y avoir encore? Postmaster que j'ai filmé, que je vais soit poster avant, soit poster après, je sais pas encore. On verra bien. Il y aura deux lieux, très certainement. Peut-être des jeux un peu plus rétro, on va dire. Seront certainement bien, parce que moi j'aime plus les jeux. Tiens, j'ai une préférence pour les rétro. Je vais pas dire que j'aime pas les beaux jeux, hein. Donc dans GTA, je n'ai pas du tout, il y a un peu de voiture, mais c'est pas seulement pour ça que j'aime bien. Après, je sais pas, j'aime bien les Mario, j'aime bien. Enfin, le cas, moi, je suis pas difficile sur les jeux. Donc si vous me proposez un jeu à faire, je le ferai peut-être en vidéo découverte. Un truc comme ça. Je vidéo parle, mais je sais même pas si je vais
pense que je vais le mettre en accéléré, donc je ne sais même pas si ça sera un peu plus tôt, en fait. Donc voilà. Tout ce que j'espère, c'est que vous passez un bon moment en ma compagnie. Sinon, bah, dites-moi ce qui vous plaît pas. Je pourrais peut-être changer la chose qui ne plaît pas. Donc voilà. Donc comme vous le voyez, j'avais pas ce camion tout à l'heure. J'ai renversé mon camion. Et en renversant mon camion, et ben j'ai celui-là qui va beaucoup mieux pour tout faire en gros. Donc j'ai préféré prendre ce camion plutôt que garder l'autre. Puisque l'autre, c'est pas du gâteau. Il a même réussi à se renverser avec le moteur qui était même pas encore démarré et sans du roule. En gros, j'ai démarré le jeu et j'ai pas compris pourquoi et il s'est renversé comme ça. Hop, il s'est renversé. Dieu seul sait pourquoi et comment. Il s'est renversé et moi je me suis retrouvé dans le caca avec une rondin de bois par terre et bon heureusement qu'il n'y a pas tous les rondins à ramasser, ça en ferait un petit peu beaucoup. Mais sinon ce jeu je le trouve quand même plutôt réaliste. Les décors sont jolis et bon la brume est là toute la journée mais c'est pas ça le pire quoi. Après c'est vrai que ce jeu est bah, je crois qu'il est tout seul dans sa catégorie parce que de l'extrême comme ça il ne semble pas qu'il en ait beaucoup. Donc voilà. Ouais. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira, comme toutes celles que j'ai fait en plus. Et excusez-moi si il y a des moments où il y a des gros troncs. Parce que c'est vrai qu'au début j'étais concentré pour essayer de prendre des rondins qui se trouvaient par terre. Et donc pendant le moment où j'ai ramassé des rondins, j'espère que on peut pas dire ça, appris quelque chose, même si c'est pas vraiment apprendre parce que voilà. C'est, on va dire, compréhensible. Bon certes j'ai mis un petit moment avant de. Bah, on va pas dire que j'ai mis un petit moment avant de le faire, mais le truc c'est que. Ça va, ça passe, ça prend. Ah ça va. Voilà, de mettre un petit moment avant de comprendre comment ça fonctionnait et de regarder quelques vidéos sur YouTube, m'a un peu aidé. Donc voilà, nous sommes arrivés sans dégâts. Sans dégâts. À l'objectif. J'espère que. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Hein. Et essayer de continuer à en faire, on va dire, au minimum 3 par semaine, au minimum. Hein. Et essayer, si possible, de faire des lives prochainement. Parce que c'est vrai que là, vendredi dernier, je voulais faire un live sur Twitter, mais ma connexion internet est tellement pourrie. Et je crache pas sur je lâche pas mes mots quoi, en gros c'est vraiment pourri. Là où je tourne mes vidéos c'est vraiment pourri de chez pourri. On peut pas faire pire que ça. Donc hop, là on va décharger les 80 et hop c'est fini. Donc j'ai pas, franchement je trouve que je me suis bien débrouillé. Donc là après quand on finit le jeu on nous marque le temps joué,
le carburant dépensé, les camions déverrouillés, les garages déverrouillés. Et sur cette map, étonnant soit-il, il y a beaucoup de choses à faire. En gros, voilà, ça c'est la map. Donc on a deux endroits pour charger le bois. Déjà, ça fait déjà pas mal. On a quatre garages. Donc c'est vraiment... Par contre, on a une zone de carburant. Et pour une partie, c'est très facile. On prend le bois ici et puis on l'emmène là. Bon, le plus chiant, c'est de sortir du bois, en gros, pour aller jusqu'à l'objectif ici. Mais pour le deuxième, ça passe. Ça s'est passé tranquillement. Mais le plus chiant, c'est de passer la rivière. Avec le gros camion, avec ce camion-là, je suis resté bloqué dans la rivière. J'ai dû prendre un petit camion pour tirer le gros. Et qu'en plus, il avait eu 800 dégâts parce que il était tellement profond que... Voilà. Donc cette map est assez complexe, mais dans le fond assez simple parce qu'elle a beaucoup de bitume. Voilà. Donc on retourne sur la map et sur le menu. Donc voilà, c'est non, c'est pas trop bien, trop bien, je l'ai déjà fait. Donc moi j'ai fait les quatre premiers, il m'en reste plus qu'un à faire, c'est Volcan. Donc je sais pas s'il est bien. Je pense, hein, parce que les autres amenaient des sensations quand même assez uniques que j'ai jamais retrouvé dans un jeu. Hormis, non, mais jamais dans un jeu, j'ai jamais ressenti un truc.